Bonjour à tous, je suis Cristiano Ronaldo. Ma journée commence tôt, vers 6h du matin. Le premier réflexe au réveil est de m'étirer et de faire quelques exercices de mobilité pour réveiller mes muscles. Ensuite, je me rends directement à ma salle de sport privée chez moi. Là, je me concentre sur une séance d'entraînement intense qui dure environ 2 heures. Cela inclut des exercices de cardio, de musculation et des sessions spécifiques pour travailler ma technique avec le ballon. Après l'entraînement, je passe du temps dans la piscine pour des exercices de récupération. L'eau a un effet apaisant sur mes muscles après une séance aussi exigeante. Je m'hydrate également abondamment pour compenser les pertes en eau pendant l'entraînement. Ensuite, je passe à mon petit déjeuner, une partie cruciale de ma routine. Mon repas est soigneusement planifié pour répondre à mes besoins nutritionnels. Je privilégie les aliments riches en protéines pour favoriser la récupération musculaire, comme des œufs, du yaourt grec et du saumon. Je consomme également des glucides complexes, tels que des avoines complètes et des fruits, pour reconstituer mes réserves d'énergie. Les légumes frais sont également un élément essentiel de mon petit déjeuner pour apporter des vitamines et des minéraux essentiels. La matinée se poursuit avec des sessions de massage et de soins physiothérapeutiques. Ces moments sont essentiels pour prévenir les blessures et maintenir mon corps en pleine forme pour les prochains entraînements et matchs. En début d'après-midi, j'ai des séances de travail avec mon équipe de management. Cela peut concerner des réunions pour discuter de mes engagements publicitaires, des contrats à venir ou encore des projets philanthropiques. Ces moments sont cruciaux pour gérer ma carrière au mieux. Vers 16h, j'ai une séance d'entraînement plus axée sur la technique individuelle. J'aime peaufiner mes dribbles, mes tirs au but et mes passes précises. C'est un moment que j'apprécie énormément car cela me permet de perfectionner mon jeu. En fin d'après-midi, je prends un moment pour la récupération et la détente. Cela peut être une séance de méditation, un bain chaud ou encore des étirements pour assouplir mes muscles. Le soir, je dîne avec ma famille. Nous partageons un repas sain et équilibré, souvent préparé par un chef personnel. Mon repas du soir est riche en nutriments pour garantir une récupération optimale pendant la nuit. Je privilégie les protéines maigres, comme du poulet ou du poisson, des légumes variés et des glucides complexes comme le riz complet. Après le dîner, je consacre du temps à la récupération mentale. Cela peut être en regardant des vidéos de matchs, en analysant des tactiques ou en visualisant des scénarios de jeu. Finalement, vers 22h, je me retire pour la nuit. Le sommeil est crucial pour ma récupération et ma performance sur le terrain. Je m'endors souvent en pensant à mes objectifs et à la manière dont je peux continuer à progresser en tant que joueur. Voilà, c'est ainsi que se déroule une journée typique dans ma vie en tant que Cristiano Ronaldo, en mettant en avant l'importance de la nutrition dans ma routine. Chaque élément de ma journée est pensé pour optimiser ma performance et ma condition physique, tout en prenant soin de mon bien-être général.